Yo tout le monde, bienvenue tout le monde au vidéo sur Radio Tragando. Aujourd'hui j'ai montré mon terrarium peint. J'ai mis une couleur gris parce que je voulais mettre mon terrarium gris. Parce que voilà. Avec une couleur que j'ai trouvée chez moi pour la boiserie. Qui pour intérieur et extérieur, c'est une couleur blanche que j'étais chercher. Et que j'ai mis un peu de couleur noire pour faire une couleur gris. Alors ici c'est le sous de Tyranium. Voilà le sous que j'ai mis en gris. Ça c'est le dessus du Tyranium. Ça c'est le dos. Ici les deux côtés c'est le dos. Et ici c'est la face du Tyranium que j'ai collé en mettant mes lattes pour mes carreaux. Et là aussi que j'ai récupéré dans mes anciens Tyranium qu'on m'a cassé et que j'ai récupéré. Que je les ai coupés en dimensions. Voilà. Et voilà, je voulais mettre. Alors, le gris et le noir, ça va ensemble. Jeudi ou vendredi, je vais chercher mon panneau de fond pour le terrain, pour le bac en fond. Voilà. Après, je vais chercher aussi le grillage, les chevilles, les rondelles et les vis pour visser le terrarium. Et après, je vais faire aussi un jour de petit bac. Pour mettre le copeau bois avec que je vais aussi commander aussi les carreaux, le bassin cascafontaine et la grille de l'aluminium ici que je vais coller derrière là. Voilà. Maintenant que c'est tout fait nickel, que cette couleur ici je l'ai peint jeudi, mais c'était pas sec aujourd'hui. Aujourd'hui c'est sec, 2 jours. Au total, c'était 24 heures, mais là, c'était 48 heures de séchage. Mais j'ai encore fait des finitions parce qu'il y avait des endroits où il n'y avait pas assez de couleurs. Voilà, il y avait des traces qui n'étaient pas assez de couleurs. Maintenant, c'est fini. Voilà. Le terrarium que jeudi au vendredi, je vais le monter. Tout le monter. Et après, il restera le grillage à mettre pour faire le terrarium. Et voilà. Maintenant, regardez toutes mes vidéos sur le tout. Abonnez-vous. Plus de questions, likez ma page Facebook, je répondrai à certaines de vos questions. Et à la prochaine.